L'expédition à la colline de Saint-Malo, on l'a fait pour pouvoir récupérer un animal d'une espèce qu'on a déjà dans notre bassin, le requin gris. Donc lorsqu'on est arrivé à l'aquarium de Saint-Malo, là on a vu quelle était la population du bassin, donc il y avait trois gros requins citrons. On a vu évidemment Malo qui nageait parmi les requins citrons. Malo est plus petit que les requins citrons, donc il était un petit peu dominé, donc parfois on le voyait nager en surface. À cause de ça, bon, il s'est un petit peu éraflé l'aileron, parce qu'il y avait des renforts en fait, qui auparavant étaient assez bas au-dessus de l'eau. Donc il s'est cogné l'aileron contre ces renforts, donc depuis le niveau de l'eau a été baissé. Donc on voit bien que l'aileron est complètement cicatrisé. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une cicatrice sur un des flancs de Malo. Donc ça c'est dû à un rémora, un poisson avant tout, qui s'est collé sur le requin et qui lui a laissé une cicatrice. Donc qui est toujours apparente, mais qui est très très bien cicatrisée. À part ça, le requin était en parfaite santé, donc c'est là qu'on a décidé de le pêcher le lendemain. La difficulté, il y avait deux points, c'est un d'anesthésier l'animal et de garder ses nadées pendant tout le transport, sur un transport qui est aussi long. Et deux, c'est le volume réduit de la cuve. En général, on s'arrange pour avoir une cuve plus grande dans laquelle le requin peut nager. Mais là, étant donné la taille du requin, il aurait fallu une cuve énorme. Donc nous, on a décidé de le maintenir dans une cuve plus petite en lui faisant circuler de l'eau à travers la gueule. Et ça permet au requin d'être oxygéné. Donc on a ajouté de l'oxygène en plus dans l'eau pour le transport. Et puis on a mesuré les paramètres de température, d'oxygène au cours du transport pour vérifier que le requin allait bien pendant le transport. Pour pêcher Malo, dans un premier temps, il faut le sédater, parce que c'est un requin qui est assez vif. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'anneau a été séparé grâce à des filets, donc qui ont permis de mettre les requins citrons d'un côté et puis les requins gris de l'autre. Donc j'ai plongé dans le bassin avec le responsable de l'aquarium de Saint-Malo pour piquer Malo, pour le sédater. Donc c'est une seringue téléinjectable, c'est-à-dire qu'on pique le requin et puis le produit anesthésiant s'injecte après. Donc c'est une opération qu'il faut réaliser du premier coup, parce que c'est vrai que si on essaie de le piquer à plusieurs reprises, le requin s'énerve. Donc une fois qu'il a été sédaté, là par contre, 10 minutes plus tard, il est allé se calmer, il nageait tranquillement au fond, et c'est là qu'on a pu intervenir avec l'épuisette pour le récupérer. Bon, il était encore assez vif, hein, parce que c'était pas non plus une anesthésie profonde, hein, c'est juste léger. Ce qui a permis de le remonter en surface sans problème pour le mettre dans le brancard. Ensuite, il a été transporté jusqu'au camion. Ce qui était délicat dans l'opération, c'était de garder l'animal anesthésié et de surveiller l'anesthésie tout au long du trajet. Un autre facteur qu'il fallait vraiment faire attention, c'est que sur ces animaux, sur ces requins qui nagent tout le temps, qui sont des requins pélagiques, ils ont besoin, c'est la musculature, le fait de bouger son corps, qui va activer la circulation sanguine. Donc il fallait, comme l'animal était maintenu en fait dans sa civière, on était contraint de le manipuler, c'est-à-dire de lui faire des massages sur le corps toutes les 20 minutes. C'est le fait de bouger tout le temps et de le masser, en fait, qui permet de maintenir une bonne circulation sanguine dans tout le corps de l'animal. Les jours qu'on a fait le transport, dès qu'on est arrivé, on a commencé à mesurer les différences des paramètres entre l'eau de transport et l'eau du bassin de quarantaine, on va le mettre. À notre grand étonnement, dès qu'on a mis Malo dans l'eau, 2-3 minutes après dans la quarantaine, il avait déjà envie de nager. On a essayé, il a commencé à nager, mais constamment, tout de suite. Chose qui pour nous, c'était génial, on ne s'attendait pas à une réaction aussi vite, mais ça s'est bien passé. Donc effectivement, Malo, maintenant dans l'aquarium, il est vraiment bien. Il est assez dominant par rapport aux autres requins qui sont plus petits. C'est-à-dire que c'est lui qui vient manger en premier, ensuite c'est les autres qui arrivent derrière lui. Et donc il mange beaucoup, il a bien profité depuis qu'il est arrivé. Il pesait 37 kg quand on l'a sorti de l'eau à Saint-Malo, et puis actuellement il en pèse plus de 50 kg. Son avenir, sincèrement, je pense que bon, vivre pas mal de temps, un requin en captivité qui passait pas mal de temps, servir à communiquer aux gens que le requin, c'est pas des méchants. C'est des animaux comme tous les autres, ça reste un animal avec des instincts, mais c'est un animal qui peut vivre tranquillement dans un aquarium, qui peut plonger avec eux. Peut-être un jour il va devenir papa, chose qui pour nous ça sera très sympa. Comme ça on pourra faire la reproduction et éviter parfois de capturer des animaux dans la nature
De plus en plus, les aquariums essayent d'éviter les animaux prélevés de la nature et faire de la reproduction. Ça, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. À une époque, les gens pêchaient directement les animaux dans la nature, les implantaient dans les aquariums. Aujourd'hui, on essaye de faire la reproduction. Chose que c'est vraiment une partie importante de la nouvelle génération d'aquariums. Mais oui, peut-être qu'un jour, il peut devenir papa. C'est une bonne chose.